quand je termine une toile, une carte de voyage, je me précipite de ne pas m'arrêter au moment où la chose est finie. Parce qu'il me semble que dans mon cas, il y aura un phénomène dans la création où le non-fini va pouvoir définir le fini si je meurs. Parce que la mort, dans mon concept, est, disons, la signature de mon œuvre. Il n'y aura pas une autre date, il y a une seule date, celle de la première toile. Et sur chaque détail porte cette date, 1965. Et il y aura une date peut-être, oui, de toute façon, du décès, mais pas de l'œuvre. Il y aura le signe de l'infini, si vous voulez. Le titre, sans toi, la maison est chaude. Hein? Admets-toi comme toi, c'est un poème d'amour. Hein? Et ça, c'est très longtemps que j'écris ça. Et après, si je commençais pour voir comment je pouvais faire quelque chose avec ça, et c'est devenu ça. Tu vois, toutes les œuvres monumentales des artistes modernes aujourd'hui, ça vient sale et dégueulasse après quelques semaines, c'est ça qui est dommage. Il faut quand même faire quelque chose qui tient. Mais aussi, je travaille beaucoup avec des cailloux qui sont naturels, qui se forment tout seuls, etc. Et je les transforme très peu. Ce que j'ai voulu présenter, c'est avec c'est une, essayer d'avoir des travaux les plus diversifiés à partir d'un même module qui, en l'occurrence là, ce sont des stores de 50 à peu près par 150 de haut. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a eu à un moment donné une pertinence et je pense que par la suite plus personne n'a pu faire idéalement de la peinture ou du moins se servir idéalement du tableau. On est obligé de le considérer comme une chose matérielle et de prendre en compte toute sa matérialité, tous les éléments de sa matérialité. Du gris du premier jour, j'essaie de conserver la mémoire pour le lendemain. Et le lendemain, j'exécute la deuxième surface en cachant la première surface. Donc je ne peux pas avoir dans les mains le gris que j'ai fait la veille. C'est suivant la pression du coton et la prise, en fin de compte, de noir sur mon coton qui fait, en fin de compte, la valeur du gris. Plus j'appuie sur le coton et plus le noir sort, bien sûr. Ce gris que je travaille depuis 12 ans, il m'appelle et je le questionne. Je le questionne à travers un support. Je pense qu'il y a des signes que l'on retrouve dans toutes les civilisations, comme ça, employés au niveau premier du terme. Et je ne me pose pas de questions quand j'ai envie de les employer. À mon avis, ils viennent de plus loin, c'est-à-dire que c'est cet état premier du signe qui m'interpelle et que j'ai envie de remettre en avant comme une sorte de chaîne dans le temps et dans l'espace. Donc, quand je suis pris par des signes à l'état premier comme ceci, en particulier, j'essaye de ne pas me poser de questions parce que je ne veux surtout pas perdre la fraîcheur de mon désir. De débarrasser de tout ce qui pouvait être de l'ordre du discours dans la peinture.
le trop bien peint ou le trop mal peint, le juste ou le faux, toutes ces choses-là, rester dans cette espèce de ligne médiane qui fait qu'on ne peut jamais décider si c'est vraiment bien fait, mal fait, si c'est beau ou si c'est laid, si ça a un sens ou si ça n'en a pas. Rester comme ça, dans cette voie du milieu un petit peu. Je vois le geste est très simple, c'est vraiment c'est un peu comme un geste d'enfant qui apprend à écrire et qui en reste là. La grande peinture, c'est de l'intelligence partout. La peinture doit rendre le monde intelligible. Elle ne peut se réduire au jeu des formes entre elles. La peinture, c'est l'art de créer de la lumière avec de la matière. Une lumière intérieure aussi bien. Le mot est le mot, comme François Le Lyonnais, fondateur de l'Oulipa avec Raymond Queneau, est lyonnais, mais pas comme le Crédit Lyonnais, ni comme Saint-Éjouan est lyonnais. Voilà, c'était à peu près ça. Et donc, alors je me suis senti transporté à la Garenne Le Mot, où je dois faire maintenant une exposition. Pour parler, parce qu'ils ont présenté d'ailleurs récemment une exposition sur les lettristes, sur Isidore Isou, qui lui annonçait plutôt la fin de la poésie à mots. Et alors. Ce qui m'intéresse dans cet arrangement, c'est d'avoir un projet initial qui se veut une réflexion à partir de globes terrestres sur l'enveloppe, le contenu, disons qu'est-ce que c'est l'écorce terrestre, bon c'est un lieu où il y a la vie et tout. Et en même temps, l'intérieur, enfin je travaille beaucoup sur l'intériorité, tous mes travaux avec les télévisions, à l'intérieur des boîtes. Hein. Donc il y a une partie de la Terre que l'on ne connaît pas, même si on la connaît scientifiquement, c'est-à-dire le magma, toutes cette zone d'énergie. Ce qui m'intéresse là, donc, c'est de faire la correspondance avec la lumière qui est à l'intérieur d'un simple objet qui est presque un jouet, qui est le globe qu'utilisent la map monde qu'on peut avoir dans toutes les chambres d'enfants. Tu sais que cette biennale, tout le monde en parle à Nice. Ouais. Ça marche ton truc? Ouais, ouais. Bon, alors. Tu sais pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des jeunes, il y a des vieux. Et que ça va être la bagarre entre les jeunes et les vieux. Les vieux veulent avoir l'air jeunes, et les jeunes veulent avoir l'air vieux, ils veulent montrer qu'ils sont aussi bons que les vieux et tout ça. Ça va être une grosse bagarre. Il y a César qui se fait des soucis, il y a Armand qui se fait des soucis, il y a Castellas qui se fait des soucis. Alors moi qui ne me faisais pas des soucis, j'ai commencé à me faire beaucoup de soucis. Donc je trouve que Lyon me donne trop de soucis. Moi qui suis anti-français relativement, dans la mesure où je crois que la France a écrasé les cultures minoritaires telles que les Basques, les Bretons, les Corses, les Occitans, je suis peut-être l'artiste le plus français de tous. Pourquoi? Parce que la France, en fin de compte, le français, un artiste français c'est quoi? On reconnaît un Italien parce qu'il parle l'italien, on reconnaît l'allemand parce qu'il parle l'allemand, et il écrit en allemand, et moi j'écris en français. J'ai pris au sérieux l'injonction du sage chinois « Ne t'attarde pas là où tu as trouvé ». Curieusement, on attend de l'artiste qu'il rassure, quelle que soit la bizarrerie ou l'originalité de son travail, en étant un sédentaire. Le nomade est considéré avec méfiance. J'assume tout à fait mon nomadisme, mais je ne voudrais pas qu'il masque d'une façon un peu folklorique les constantes de ma démarche. Bien sûr que tout ça évolue. Il est évident que les premiers travaux sur le châssis de peintre vers les années 73-74, ça correspond à une période de travail mais dans une véritable aporie. C'est pas quoi faire, c'est que dire, rien dire, mais le dire. Je ne vis plus du tout ça aujourd'hui.
D'ailleurs, elles sont, ces fenêtres, finalement, maintenant, vont de plus en plus vers des suggestions presque assez réalistes, n'est-ce pas ? On a une portière, on a un effet de verre profond, et c'est pas un hasard que, par ailleurs, je mène des travaux que j'appelle paysages. Procurer à celui qui se trouve devant un tableau le sentiment qu'il n'est plus devant un objet, mais devant le réel. Il est l'artificier des grandes œuvres. Les grandes œuvres elles-mêmes faisant effet de réel dans notre culture. Un tableau, c'est sûrement plus réel que la réalité. Il y a 600 000 personnes, plus que ça, 850 000 personnes au moins vraiment directement concernées, très irradiées, malades. C'est toute une région. Je trouve assez intéressant, en plus c'est un problème, c'est le problème permanent. C'est quelque chose, c'est aujourd'hui, mais ça sera toujours dans un siècle, toujours dans deux siècles, le problème de Tchernobyl sera là. Je trouvais intéressant de faire un truc de presse avec ça. Et puis parallèlement de faire une exposition, parce que les expositions c'est mon travail, et d'être comme ça sur le fil entre les deux, je trouvais ça assez intéressant. C'était aussi une façon, un moyen de le réaliser, parce que je ne pouvais pas aller à Tchernobyl en tant qu'artiste en fait. Je pouvais aller à Tchernobyl en tant que journaliste, et avoir accès au sarcophage, des choses comme ça, à la centrale. J'aime pas les mythologies privées. Dans mon travail, j'aime passer par des images, par une imagerie appréhensible par tous. Une œuvre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la révélation et de l'élévation. C'est pas un plaisir bourgeois. C'est la peau de l'œil. Ça finit par justement devenir quelque chose de charnel. Une fois qu'on a oublié le côté pictural. Ce qui m'intéresse, c'est le quart de seconde de votre perception. Prendre la réalité telle qu'elle, sans y changer la moindre miette de pain, est mon point fondamental. Mais en m'enfermant dans ce système, j'étais moi-même piégé. Pas plus que César ne pouvait indéfiniment refaire ses compressions, ou Klein ses bleus, je ne pouvais répéter mon repas collé. À un moment, quelque chose en vous se révolte, veut s'exprimer, veut décider. On se dévore pas que dans le milieu de l'art. Il y a des tas d'espaces où on se dévore. Puis c'est pas nouveau, quoi. Je pense que ça fait partie du rapport entre les gens. Je crois le goût de se dévorer, c'est ça. Je pense que c'est vieux comme comportement par rapport à l'autre, à tous les niveaux, que ce soit intime ou social. Je pense qu'on aime bien dévorer. Enfin, personnellement, je crois pas être vraiment un dévoreur, ni m'être proprement fait dévorer, d'ailleurs. Mais dès l'instant qu'on manipule les symboles, ça, c'est vrai que ce genre de choses... Puis j'ai pas l'habitude de faire de la dentelle, quoi, au niveau des symboles. Je les prends plutôt massifs. Donc quand je dis qu'on s'entre-dévore, c'est pas par exemple pour en faire le sujet d'une œuvre tourmentée. C'est juste une sorte de constat. Alors... Moi, ce qui me plaît assez, c'est qu'on passe par là. Voilà. Là, ici. Alors, quand ça sera terminé, il y aura marqué au milieu, là, le volume rouge. Là. Et on arrive là, tap, et on tombe dessus. Alors, sur quoi on tombe ?
Donc du coup, on fait presque en même temps l'interview et montrer les pièces. En fait, c'est 6 plaques, c'est 3 fois 2, non, c'est 2 fois 3, 6, 1, 2, 3, et 1, 2, 3. Enfin, ce sont deux triangles qui ne sont pas encore fixés, toutes les plaques, ce sont deux triangles équilatéraux inversés, dont les têtes se regardent. Vous voyez, voilà. Entre les boîtes de conserve et ce que je montre ici, donc des aquarelles, il y a eu d'autres travaux sur d'autres supports, il y a des recherches un peu différentes. Quant au format, j'essaye de me dépêtrer un petit peu de cette étiquette du peintre du minuscule qui m'horripile de plus en plus. Même si elle se justifie, c'est un autre problème, ça. Il ne me semble pas que la dimension soit le propos, j'espère en tous les cas, parce que ce serait là aussi un propos un peu étriqué. Il me semble que de tout temps, j'ai fait un travail assez autobiographique. Et en ce qui concerne cette série-là, il s'avère qu'actuellement je déménage et j'ai beaucoup travaillé avec un architecte sur mon nouvel atelier. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a terriblement passionné et intrigué. Donc ça se ressent dans mon travail. C'est à considérer comme un acte. C'est-à-dire un acte à la fois dans l'actualité, à la fois dans... par rapport à Duchamp. C'est aussi parce que c'est la seule pièce qu'il n'a pas reproduite lui-même, qu'il n'a pas refaite, qu'elle n'a jamais été refaite. Parce qu'il y avait un mystère autour, parce que c'est la dernière. Elle a un fonctionnement qui permettait de la refaire, c'est-à-dire de la démystifier, de voir l'intérieur. Elle est ouverte. Elle pose des problèmes de vision, mais qui est en même temps, une fois qu'elle est démystifiée, est plutôt vulgaire et mal faite. Et je fais partie de ces... ces dinosaures qui font peignent encore des tableaux. C'est très difficile de parler devant seulement la chose comme ça qui est la dernière, alors qu'on n'a pas en même temps les choses qui précèdent, je crois. C'est ma manière d'interroger la peinture, questionner la peinture finalement. Avec l'affiche lacérée, on économise le temps, on prend ça dans la rue très vite, on économise l'atelier parce qu'il suffit d'avoir des dépôts, l'atelier c'est la rue, on économise les matériaux parce qu'on les ship, on les chaparde dans la rue, et on économise quelque chose qui est très important, c'est l'angoisse créatrice. Maintenant, nous sommes dans l'éclectisme, dans une certaine anarchie, et on voit que l'art reflète exactement le milieu politique. Avant, il y avait la gauche, la droite, il y avait l'Est, il y avait l'Ouest, et on voit que tout ça se casse. C'est que politiquement, tous les chefs de parti sont en train de voir qu'ils doivent trouver un nouveau discours. Et la peinture, c'est exactement la même chose. Parce qu'ils sont oubliés, ces visages deviennent insupportables. Visions incontournables faites pour être gravées. Ils ne répondent plus à la normalisation visuelle qui nous est imposée. Notre monde hédoniste et inodore, préfabriqué par des marchands d'illusions, n'envisage plus l'enfance, la beauté, la folie ou la mort, mais substitue à la tolérance la distinction. Mon travail n'est pas
celui d'un copiste, mais il s'agit pour moi de dessiner uniquement, de transmuer, de des apparences devenant présence. Quand je dessine, j'ai affaire au vide, finalement. Et il s'agit de nourrir ce vide jusqu'au sens que je dois donner. Le sens d'une réflexion qui s'achemine vers ce point, vers cet absolu. Mais nous, on n'analyse pas tellement ce qu'on fait, quoi. On fait les choses comme ça et... Oui, avec le cœur. On n'essaye pas de... d'expliquer. On aime bien le mystère. Et quand il y a quelque chose, quand on fait une image, il faut qu'il y ait une surprise. Hein. Il faut qu'on découvre quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'y avait pas pensé. Il faut qu'il se passe quelque chose de plus. C'est ça qu'on cherche, quelque chose qui nous échappe. Dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et c'est ce que je préfère. Ce que je comprends, dès qu'on comprend quelque chose, c'est déjà pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on ne comprend pas. On aime bien dire les choses avec retenue, douceur. Avec douceur, même si c'est violent. Même la violence est dit avec douceur. Flying Lady, c'est le titre de la pièce, de toute façon, qui est la figurine qui est en avant de la Rolls. Beaucoup de gens pensent que c'est une victoire de Samothrace. C'est pas du tout une victoire de Samothrace. C'est une femme dont on voit les pieds, les jambes, les cuisses, les bras, les mains. Finalement, qu'est-ce qui est plus proche du fiacre? C'est la Rolls aujourd'hui. Elle est la continuité logique du fiacre. Et qu'est-ce qui se passait dans les fiacres tel que c'est décrit dans très nombreux romans classiques? Pour citer simplement Flaubert ou bien Mishima, même si c'est dans une voiture. La plupart des scènes d'amour se passent dans les fiacres. Cette idée-là, de cette scène ultime, qui est la scène de l'amour, qui est dans la Rolls, alors qu'on est déjà sur cette même scène, sur le théâtre No. Quand j'utilise l'Orient, c'est l'intrusion du réel. Quatre murs blancs, presque un cube, et c'est la cellule qui s'expose elle-même, c'est-à-dire que c'est deux angles de mur que j'ai rajoutés, l'un contre un angle et l'autre basculé, et qui me sert de siège à l'heure actuelle. J'ai fait cet énorme travail uniquement par téléphone. C'est-à-dire que j'ai pris un parti pris depuis une quarantaine d'années d'en faire le moins possible. C'est vrai que j'ai peut-être cru à une sorte de beauté, mais ça fait bien une trentaine d'années que je ne cherche plus cette beauté à laquelle je ne crois plus du tout, au moins pour moi. Ma peinture a toujours été un travail sur la lumière, a toujours joué, reposé plus exactement sur la lumière. À mes débuts, dans les choses que je faisais en 47 déjà, ce qui comptait pour moi, c'était la manière dont le fond clair s'illuminait par contraste avec le noir qui venait dessus. Ce qui m'intéresse, c'est un certain type de lumière qui est transformée par le noir. Maintenant, je peux dire aussi du noir une chose, c'est que c'est la couleur d'origine de la peinture. Et si elle nous reporte à nos origines, c'est peut-être pour cette raison-là que je suis allé aussi vite et si jeune vers cette couleur. Posez-la comme tout à l'heure sur le pneu, là, et on va voir ce que ça donne. Le sujet de mon travail, c'est l'objet, et fait par l'homme. Et là,
c'est une espèce de vieillissement prématuré. J'appelle ça l'archéologie du futur. En prenant des objets tous les jours, ça va du fer à repasser au téléphone, la machine à écrire et la voiture, qui est un objet du siècle, et l'ayant fait fondre en bronze et lui donnant une surface comme s'il était resté 2000 ans sous l'eau. Les nouveaux réalistes, on s'était mis tous d'accord sur une phrase qui ne voulait rien dire parce qu'on était tous très différents les uns des autres. Nouveaux réalistes égale nouvelles approches perceptives du réel. La Sainte Vierge, c'est pas simplement la Sainte Vierge. J'ai pas une culture énorme, mais j'ai simplement appris que avant, les vierges ont été christianisées, mais il y en avait avant qui c'était j'ai trouvé ça sympa de savoir que avant ça, il y avait des gens comme les Gaulois ou des gens comme ça, donc des Français qui aimaient, qui adoraient quelque chose comme la Vierge, les Vierges Noires, ou comme une divinité qui représentait la mère créatrice, la créatrice du monde, un truc comme ça. Dans le monde entier, on est complètement défavorisé. C'est malheureux à dire, c'est pas du nationalisme que je fais, mais c'est vrai. Et par les Français eux-mêmes, qui nous traitent, où si l'artiste a du succès, a pas de succès, c'est en rien du tout, dans ce cas c'est pas un artiste. Et s'il a du succès, dans ce cas c'est un parvenu qui gagne beaucoup d'argent. Le plancher est potentiel puisque son son est entièrement potentiel et réalisable par l'intermédiaire des anges, par exemple, mais il est potentiel. C'est-à-dire on a en effet 500 sons, 500 notes absolument juste potentielles. Et dessus, on a un nombre infini de parties de snooker potentielles avec la potentialité d'inviter les plus grands champions qui seront à leur aise parce qu'il y a l'espace, il y a la lumière et le billard est là. Prêt à être joué. Donc on n'est pas devant des décors de théâtre, on est devant la potentialité de produire chaque chose, les sons et les parties de snooker. La peinture. Je voudrais un jour la toucher. La toucher. Simplement. Tout ce que j'ai jamais essayé en peinture, c'est d'arriver à une espèce d'absence presque. Pour que la peinture soit totalement elle-même. Dans mon travail, il y a toujours ce côté avant, pendant et après. C'est que les caisses étaient peintes, sont peintes, les caisses sont évitées ici. Et après, les murs sont préparés, les caisses aspirent la couleur des murs. Il y a tout d'un coup la fente en haut, le feu est entré, et après, la table est brûlée aussi. Après, il y a une magnifique cahier d'aquarelle. Et cette aquarelle raconte que le bout du papier est à la couleur de la brûlure. J'attendais un moment très précis avant de faire la photographie. Curieusement, quand je photographiais les bustes, qui étaient par définition statiques, j'avais exactement la même attitude. Une fois mon cadrage fait, j'attendais un certain moment pour déclencher. C'est comme si j'attendais leur regard.
Je me promenais un jour avec un aveugle au musée d'art moderne, à la recherche d'une idée pour une autre exposition. Et on s'est retrouvés face à ce tableau de Charlton, avec cet ami à moi qui s'appelle Bachir Kerouni. Et je lui ai décrit le tableau. Et au moment où je lui décrivais, il m'a dit qu'en fait, ce que je lui décrivais, c'est-à-dire cette gamme de gris, c'était les couleurs avec lesquelles il vivait en permanence. Et ensuite, j'ai demandé à des aveugles de me dire, de me décrire ce qu'ils voyaient, la couleur avec laquelle ils vivaient. Et j'ai mélangé ces interviews avec des textes que j'ai trouvés écrits par des peintres qui parlent du monochrome. Exposer, vouloir exposer, c'est vouloir inscrire ce que je fais dans le réel et faire bouger ce réel. Comment ? Ça, c'est évidemment la fonction la plus énigmatique de l'acte artistique. Et les trois murs disponibles, j'avais décidé de les utiliser avec trois tableaux qui sont un seul aussi, enfin qui sont une sorte de conversation. C'est une sorte de conversation entre trois images. Mettre en avant effectivement des choses qui sont du côté de l'emblème, du caractère emblématique. Ce sont des affiches arrachées, ouais. qui sont vraiment des réceptacles, ce ne sont pas des choses très peintes, le blanc et le blanc du papier, enfin, c'est une chose comme ça. Un poisson était un matériau plus bas que terre. Vraiment, pour aller plus bas que ça, c'est encore une autre affaire que je ne connais pas, mais qui m'intéresse. C'est un matériau inhabituel, et il devient matériau, il devient raide, il devient architecture possible, puisque j'ai fait des architectures avec, enfin, des constructions. Donc, il sert à autre chose que d'habitude. Et c'est possible. Et seule la résine et le stratifié, parce que ce n'est pas simplement de la résine, il y a du verre, donne cette possibilité. Elle est absolument nécessaire. Donc les anarchistes et les mystiques, c'est pareil. Voilà. Donc si on prend mon travail comme ça, à la fois du côté du mysticisme, à savoir que je fais de la peinture, donc je suis dans un état mystique, pour faire de la peinture, puisque je suis dans le respect le plus grand de la chose peinte. C'est-à-dire que je suis totalement abruti quand je peins. Et ensuite, il y a des choses à côté, comme c'est... Donc les gens qui refusaient la peinture, qui faisaient la sculpture, refusaient aussi l'abrutissement inhérent au métier, quoi. Je le pose là. Merci. Ouais, c'est bien, faut le garder ça. Quand c'est grand, quand ça fait 2 mètres et plus, déjà, ça a un certain pouvoir. Mais je ne sais pas, je suis un peu neutre sur cette installation. D'accord. Il y a certaines photos que j'aime, mais je crois, je ne sais pas, on peut se tromper. Mais j'ai pris des leçons de ça. Mais je ne crois pas que... C'est la meilleure installation que j'ai faite. Tout pour enlever ces deux-là. Le XVIIIe siècle est présent dans mon œuvre. Les terres cuites sont des ivresses.
des frivolités. Alléger les corps pour le plaisir est un défi de sculpture. Le plâtre est une blancheur provocatrice et coquine grâce à ses frissons de couleurs. C'est français. J'ai sculpté ce qui ne peut se dire que dans la langue française, qui est la référence érotique, condamnée aujourd'hui par un consensus planétaire violemment répressif. Mettre de la sculpture à plat et faire des peintures qui ressemblent à des volumes, ça reste encore dans cette espèce de volonté d'être à la fois l'un et l'autre, mais pas tout à fait l'un et pas complètement l'autre. C'est d'essayer de créer quelque chose, un travail qui déjoue, qui détourne toujours l'interprétation, qui soit toujours à côté des choses, de façon à ne pas provoquer un discours de vérité. Je montre du doute, je montre quelque chose qui pose question, qui ne peut pas être cerné par le langage. Ou alors, le langage sera toujours à la traîne par rapport à ce que l'on voit, qui est toujours détourné par rapport à ce que l'on regarde. Le langage jamais ne pourra cerner ce que l'on regarde. Parce que c'est le plus facile à aborder pour le public, parce qu'il est, il est assez simple, qu'il fait penser, il me fait penser un peu aux films de Jacques Tati, tu veux les films comme Playtime ou ça, qui sont des décors assez simples sur des bases propres qui ont été bâties, tout ça. Et on peut parler aussi d'une image de synthèse, par, simplement par la, comment dire, le placement des objets qui sont tous très déterminés. Des rêves d'enfant, un côté ludique, un côté chasse au trésor. Le fait que tu montes et que tu puisses voir les choses complètement différemment, tu les surplombes. La route du paradis, quoi. Et puis il y aurait écrit la vérité. Je sais pas, c'est bien qu'il y ait ça, parce que c'est pas anecdotique. C'est bien que ce soit écrit la vérité, comme ça. Ça pose l'œuvre. Je présente ici quelque chose de nouveau pour moi, ce sont les fantômes. C'est-à-dire, j'ai idée de doubler les différents travaux que j'ai faits au cours de ces 20 ou 25 dernières années par des flashs comme ça qui sont faits par l'intermédiaire de très grandes photographies. Et sur la petite plaque en cuivre qui est à côté, sont donnés les quelques éléments qui permettent de suggérer ce que pourrait être ce travail. Je me suis trouvé très vite affronté à ce sorte de dilemme, à la fois cette image de l'artiste du dimanche qui me donne une force énorme, qui me permet de tenter encore beaucoup de choses, je ne me sens pas du tout fatigué là-dessus, et d'autre part une image qui, au niveau de l'art, je l'ai très vite compris, est tout à fait dévaluée et n'a pas de consistance. Je dis toujours, je vais le dire encore une fois, au fond je voudrais être un peintre du dimanche célèbre. J'ai toujours été un homme qui me suis intéressé au langage du matériau. Que ce soit du fer, du papier, du chiffon, du cristal, de l'or. Donc je me suis intéressé au polyuréthane. C'est comme ça que j'ai fait les formes éphémères. Après, comme je suis un sculpteur, donc j'ai voulu dominer ce matériau. Alors j'ai commencé à utiliser le polyuréthane à l'espancer plus, l'espancer moins. C'est un matériau qu'on peut contrôler. Quand moi je récupère des œuvres anciennes, que d'un seul coup j'en rachète une, eh bien, je la scie, je la coupe, je vais la casser, je vais la retransformer, et d'elle j'en amène une autre.
Je ne sais pas ce que je fais du tout. Je sais comment je le fais. Et comment dire, je n'ai rien à dire, j'ai uniquement des choses à raconter. On ne fait pas de la peinture comme un cadre rentre chez IBM, avec une progression du début à la mort. Au contraire, on fait peut-être de la peinture aussi pour... on tourne autour du pot et ce pot, c'est peut-être la mort aussi. Je crois qu'on parle de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, si trop d'artistes parlent en termes de carrière, c'est pour éviter l'essentiel qui est ce grand trou noir. C'est une personne qui est là, un peu comme quelqu'un, un chercheur, qui essaye de comprendre le monde. Et ce que je propose, en fait, c'est une vision du monde qui passe par le rond. Alors bien sûr, c'est une interrogation, c'est pas une réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on voit, c'est à quoi ça fait penser. Donc après, la question sculpture, peinture, tout ça, c'est des notions qui ne m'intéressent plus du tout. Le savon, en fait, dans ce que je fais, c'est plutôt une métaphore de la façon dont je travaille qui se perd par glissement, par transformation. Et pour ne pas qu'il fonde tout de suite, il faut au moins qu'il soit le plus gros du monde. C'est tellement immense que, et pesant, ou massif plutôt, que ça fait dévier l'aiguille de la boussole. Et en plus, ça fait dévier au sud. Au sud, ça dévie dans un sens, et au nord, ça fait dévier dans l'autre sens. La vitesse qu'on a toujours voulu avoir depuis un siècle, une vitesse de déplacement et tout ça, je pense que c'est absolument terminé. Maintenant, il faut être assis, justement. Il faut être figé. Et à partir de là, on peut tout faire. Je me suis débarrassé d'un certain nombre de choses qui étaient assez lourdes, le châssis, la toile, la couleur, pour, il y a maintenant, je ne sais pas, une quinzaine d'années peut-être, à un moment donné, je me suis débarrassé, bon, petit à petit, de l'abondance de couleurs jaune, bleu, rouge, vert et tout ce qui va avec, et puis l'épaisseur de la pâte, etc. Bon, c'est le noir m'apparaît comme ça, comme la seule couleur qui m'est indispensable. Donc voilà, c'est une vraie petite présentation de nos installations, une espèce de petit digeste, un petit musée des installations que nous avons réalisé tous les deux. BD Rock Télé, mais ça a été le truc qu'on nous reproche ou qu'on nous ouais, a laissé c'est vrai que ça, mais c'est notre culture, quoi. La principale influence, mais depuis, il y a eu autre chose. On a regardé Fra Angelico, depuis on a lu les trucs de Dubuffet, depuis on a évolué quand même, ça fait 11 ans quand même qu'on travaille. Sculpture de Gonzalez, des choses un peu plus pointues, et c'est fait notre histoire de l'art nous-mêmes, quoi. On est vers l'an 2000 et enfin on essaye de brasser tout ce qui s'est fait dans le siècle, c'est un peu des époques de synthèse qu'on vit. Et donc en fait finalement on essaye de faire une synthèse de l'image, quoi, de l'image du 20e siècle et antérieurement même, quoi. Et si la télévision devenait un art? Pourquoi ne demande-t-on pas aux artistes vidéo d'imaginer une autre façon de présenter des images sur le petit écran, de créer d'autres programmes? Nulle part au monde n'a été tentée l'expérience de laisser aux artistes un espace leur étant réservé. A-t-on peur de laisser des images sans habillage institutionnel? Est-ce le côté imprévisible des artistes qui effraie encore?
Le public, ne désirerait-il pas être surpris, dérouté, attentif à de nouvelles expérimentations? La télévision peut devenir un art, à la seule condition que les artistes puissent s'en saisir. Qu'est-ce qui se passe en France? La logique en France, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, de toute façon, on tire dedans, quoi. Donc finalement, c'est la métaphore aussi de Philippe Perrin, là, Jacques Mesrine, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Dès qu'il y en a un qui essaye d'être un solo, d'être un truc comme ça et de faire son truc, on tire dedans. C'est une voiture pleine de trous, quoi. C'est la reconstitution de la bagnole de Jacques Mesrine. À la limite, dire que c'est une œuvre d'art, j'en suis même pas sûr, quoi. Tu vois, pourquoi? Ouais, tout pourquoi? Dire chaque exposition, c'est un hold-up à réussir, quoi. Faut voler l'aventure, hein? Voilà, c'est tout. L'aventure d'un magazine, c'est pareil qu'une vitrine de bijouterie, non? Faut essayer de péter dedans. Puis là, c'est un peu la dernière banque à braquer aussi. Moi, je me vois un peu comme un mercenaire, j'ai l'impression de montrer un peu des formes d'un mercenaire, quoi. Bon, je parle, quoi, mais j'ai même pas envie de parler d'art quand on parle comme ça. Parce que c'est un truc... Dire tous les... Bon, ici, je trouve que c'est très bien, tu vois, il y a des trucs bien. Bon, au moins l'ensemble. Raspail, je trouve que c'est un mec bien, parce que c'est un mec qui joue sa chemise quand il fait quelque chose, par exemple. Tu vois, ça me plaît. Qu'est-ce qui relie tous ces jeunes artistes, Thierry Raspail, hein? Leur souci de la réalité, en fait, leur volonté d'être dans le siècle. Même Pariente, qui, entre guillemets, serait le plus abstrait de tous, quand il parle de la relation au mur, de la relation à la surface, c'est une relation de périphérie, c'est l'absence de l'objet, c'est l'idée d'une trajectoire. Celui qui serait ici, apparemment, le plus éloigné de ces préoccupations-là serait Favier, mais ça ne veut pas dire qu'il est loin de préoccupations très, 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 très quotidiennes. Je crois que c'est ce qui les relie, en fait. J'ai donc utilisé des éléments qui sont propres au genre pictural, au genre sculptural et au genre architectural. Qui sont... genre pictural, c'est la matière et la couleur. Genre sculptural, c'est le fait que c'est un volume qui s'inscrit dans une pièce et autour duquel on peut tourner, donc sans attache à des murs qui sont porteurs. Et genre architectural dans le sens où ça prend une dimension architecturale par le statut des murs et le fait du déplacement des spectateurs dans l'espace. En considérant que le premier paradoxe de mon travail, c'est le fait de faire des murs mous. Je crois avoir découvert une certaine relation, une parenté, entre la physique nucléaire, ou plutôt ce que j'en avais appris par des ouvrages de vulgarisation, et la tradition du Tao Te Ching. Attentif aux tentatives actuelles pour relier la tradition aux sciences, j'estime que l'art peut jouer un rôle important. Peu m'importe que ce soit le sens ou le non-sens qui en profite, j'appliquerai dans tous les cas les principes d'équivalence. Les ardeurs de la lave en fusion brûlent à l'égal de la passion. Mais maintenant glacées, elles conservent toujours un pouvoir. N'en fait-on pas les revêtements de ces routes qui nous précipitent vers les mirages de l'ailleurs ? Le pubis de la nymphe n'est pas seulement celui de l'Astrée, de Délie ou de la Belle Cordière, mais tous confondus. Jusqu'à vous,
lyonnaise d'entre Rhône et Saône. Quelle différence parce que quelques années vous séparent. Siècle, dites-vous, foutaise. Vos nymphes n'ont-elles pas toujours la couleur de ces pétales de rose que je vous offre? Logiquement, il faut commencer par les ombres et finir par les lumières. Et une fois les lumières terminées, on ne revient plus sur le tableau. Cette technique me convient parfaitement. Je garde cet enseignement et ma prise de position casse les processus d'avant-garde. C'est une iconoclastie à l'envers. Je me souviens des photographies de Picasso dessinant avec une lampe de poche. Et ce que la chaîne me permet de faire, c'est quelque chose qui est très proche de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est ni de la peinture, ni de la sculpture au sens traditionnel. Et c'est du dessin. Ma peinture est, ne raconte rien, et dès l'acte de peindre terminé, n'a plus d'attache avec l'exécutant qui n'a aucun poids. Pourquoi ne pas montrer ce qui sert à montrer? Pourquoi ne pas utiliser la lumière dont tous les arts visuels ont besoin? Qu'ajoute-t-on à ce qui est déjà là? La lumière suffit-elle à faire une œuvre nécessaire? Qu'est-ce que ça montre et qu'est-ce que ça éclaire? Ni peinture, ni sculpture, l'éclairage est acte d'exposition tout autant que dispositif d'exposition. Il est ici l'objet exposé. J'ai toujours véhiculé un trou, si l'on m'entend bien. Dans ce trou très matériel du métier de peindre, je précipite la peinture, car par ce trou, on peut la voir à l'envers et à l'endroit. Bref, dans tous ses états. Je colmate. Je pose un peu de cette matière qui protège. Seule façon de montrer que le sujet n'a pas d'importance, que seul importe cette nappe de peinture qui se coule sur le dessin. Pour rendre visible le monde, il faudrait le voir de tous les côtés qui pourraient exister, chaque centimètre, on pourrait dire. Vous voyez, donc autant du dessus, de côté, à gauche, à droite. Enfin, ça me paraît tout à fait extraordinaire, c'est le visible est invisible. Hein. Le visible reste invisible. Donc là, ces portraits, c'est de voir une boule. Enfin, ces 300 portraits, ça serait plutôt... qu'est-ce que c'est que voir c'est quoi le visible? Les portraits, donc, ça met ces boules en ordre, en quelque sorte. Hein, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait qu'une boule ici, hein, qui aurait été touchée de tous côtés, à toute la distance. Et les portraits, ça serait cette boule vue aussi de partout. La muraille de Chine, la nouvelle de Kafka, était un point de départ en ce sens qu'elle a été découpée mot par mot, chaque mot étant sur un de ces volumes qui devient un livre, qui n'en est pas un en réalité, mais qui le devient. Donc
La plus grande partie de la nouvelle, la partie la plus intéressante, celle qui décrit la construction de la muraille, est ici, rangée dans l'ordre de lecture, de sorte qu'à partir du numéro 1 jusqu'au dernier numéro, on peut lire le récit de Kafka. La Chine, c'est un exotisme puissant, même à notre époque. Et à partir de là, ça se développe sur la connaissance et le savoir. Robert Venturi dit « J'aime les éléments qui sont hybrides plutôt que purs, arrangés plutôt que nets, dénaturés plutôt que francs et clairs. Je suis pour la richesse du sens plutôt que pour la clarté du sens. » Alors c'est en fait une installation qui s'appelle The Happy House, la maison heureuse. C'est un petit clin d'œil comme ça. Donc le titre générique, c'est parti d'une chanson. Je travaille souvent par rapport aux choses que j'entends à la radio. Et c'est les paroles d'une chanson qui disent ça, c'est la maison heureuse, nous sommes heureux dans cette maison-là. C'est un peu comme une comptine en fait, ou un peu comme une maison de Alice au Pays des Merveilles, avec les objets qui deviennent fous. Le lit, il est tordu parce qu'il est noué. C'est comme quand on fait un nœud dans son mouchoir. Là, on fait un nœud dans le lit pour pas oublier le petit bébé qui est dedans. Oui, je pourrais pas supporter l'existence si j'avais pas toujours comme si j'étais un peu dans un film, quoi. Quand on est un peu pas dans la réalité, c'est qu'on peut faire tout et que ça devient quelque chose de formidable, quoi. C'est du vide. C'est un vide qui nous renvoie l'image de ce qu'il y a autour de nous. Une pièce qui correspond à notre vision de la nature aujourd'hui. Elle est dans l'infiniment petit. Ce qu'on connaît de la nature aujourd'hui est différent de ce que les artistes... ce que la nature était pour les artistes il y a 100 ans, ou 50 ans, ou il y a même 20 ans. Moi, je crois à une certaine urgence zen d'être dans le présent. C'est que ce n'est pas un hologramme d'un objet. Ce n'est pas sur une chose figée. Ce n'est pas... Il n'est pas sur quelque chose qui appartient au passé. Le lieu qui m'est... dévolu est un lieu que j'ai assigné tout commerce. Et se repose sur les goûts, la vue, l'odeur, le goût et bon, la clé, l'ouverture. Une ouverture sur l'extérieur parce qu'en fait l'extérieur, il y a tout le monde qui passe. On peut voir en fait peut-être le mélange qu'ils cherchent, des gens venant de divers horizons, de races différentes. Le pouvoir arrive à codifier des choses pour établir des systèmes marchands, de correspondance, des systèmes très rapides d'échange. Et je m'intéresse à ces signes. Voilà. Si c'est le pouvoir qui les a créés, oui. C'est le pouvoir que j'attaque.
Cette façon de dire qu'il faut être de son époque est un des slogans les plus idiots qu'on ait jamais imaginé. On crée son époque. Les individus créent une époque. Ce n'est pas l'époque qui détermine. Sinon, l'expression n'a aucun sens. Par conséquent, l'époque se recrée à chaque instant par les initiatives que l'on prend. Par toutes les initiatives. Et même par celles qui vont dans un sens absolument contraire au courant dominant. Dire qu'il faut être de son époque est un crétinisme moderne. Il n'y a plus d'époque.